on verra les marques du nom et on verra les relateurs. Vas-y, Patou, s'il te plaît. Le pluriel est conventionnellement marqué par W. Il s'écrit suffixé ou non. Exemple, Mousso Kumana. Les femmes ont parlé. Okay. Ensuite, Roland. Demusen Dona. Ok. Les enfants sont rentrés. Alors, donc, Kalambion Chaira. Donc, les élèves sont devenus. Vous voyez, ce W qui se suffixe au nom vient apporter l'information comme quoi le nom est au pluriel. C'est ça la règle. Donc, il est suffixé au nom. On l'écrit collé au nom. Et contrairement au français, par exemple, vous avez les femmes. Donc, le « les » est à part, « femmes » est à part, « les enfants », « les élèves ». Par contre, ici, la marque du pluriel, c'est collé au nom et c'est écrit à la fin, donc suffixé. Moussou, si c'est bon, on peut avancer. Juste intervenir un peu. Oui. Une remarque, c'est qu'il y a une particularité de la langue, Djoula, je pense, le professeur va me corriger si je me trompe, qui fait que quand on dit un nombre précis, on ne met pas le pluriel. Par exemple, si je veux dire deux femmes ont parlé, je vais dire Moussofila Kumana. Je ne vais pas dire Moussoufila Kumana. Je ne vais pas mettre le pluriel bien que j'ai dit deux. C'est ça, professeur? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, lorsqu'il s'agit donc d'ajouter des numéros cardinaux à la fin, donc on dira on ne mettra plus la marque de pluriel. Donc, on dit Demisien Sababolila, Kalandeng Nani Nana, Kalandeng Kemebana. Vous voyez, donc on n'ajoutera plus la marque de pluriel. C'est une remarque très importante. Merci.